Hey, what's up les potes? Bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, comment améliorer le mastodonte sur Révélation. Première chose à faire, il faudra avoir le gardien protecteur. Pour ceux qui ne savent pas où se situent les pièces, le lien est dans la description de la vidéo, on a fait un petit tuto, n'hésitez pas à aller checker. Deuxième chose, vous appelez le gardien protecteur dans le théâtre de Kino, ça coûte 5000 points. Et tout simplement, vous tournez, vous le laissez fraguer les zombies. Vous allez entendre alors un bruit qui va vous valider l'étape, écoutez bien. Voilà, donc vous avez entendu le bruit, le gardien protecteur a fait assez de frags, et tout simplement vous allez à l'arrière de la scène, et vous pouvez voir un espèce de casque, alors on dirait le casque d'une prêtresse. Voilà, et donc on fait un petit arrêt sur image, parce que vous allez voir franchement, vous pouvez obtenir plus un coup en provenance des zombies, 50% de réduction des dégâts des gardiens esclaves, vous infligez 33% de dégâts supplémentaires également aux gardiens esclaves, et le gardien protecteur dure 30 secondes de plus, donc franchement ce casque il est vraiment pas mal du tout, et surtout, pour le mastodonte amélioré, donc je vous fais une démonstration juste après, en fait vous pouvez prendre une claque supplémentaire, donc petite démonstration en image. Une, deux, trois, quatre, cinq claques. Donc voilà, la sixième, je meurs, j'ai fait le test. Donc voilà, vous pouvez encaisser 5 claques avant de mourir, ça c'est plutôt pas mal. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.